Golf Mag vous est présenté par La Forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission est enregistrée sur les sites du club de golf des Bois-Francs et du manoir du Lac William. À Golf Mag, cette semaine, on poursuit notre périple au centre du Québec. On vous fait découvrir l'histoire d'un passionné, un gars qui avait un rêve, celui d'avoir un terrain de golf. Vous allez connaître l'histoire de Gilles Desloges. Il a acheté le club de golf des Bois-Francs en 1995 et à cette époque-là, c'était seulement un 9 trous. En l'espace de 5 ans, il a transformé l'endroit et en 2000, c'est devenu un magnifique 18 trous. Et comme vous pouvez le constater, on est à un de nos endroits préférés. On demeure au manoir du Lac William. Là-dessus, bon Golf Mag! Voyant la popularité du golf augmenter, Adrien Paquet décide d'utiliser une terre à bois pour instaurer un nouveau terrain de golf dans la région. Les travaux du premier 9 trous débutent en 1989. 2 ans plus tard, les premiers 9 trous sont faits. Vous êtes parti, vous, de la vallée de la Matapédia. Oui. Puis vous êtes venu vous installer ici, dans la région. Je suis venu en promenade, moi, avec mon frère et ma soeur. OK. Et puis, arrivé ici, après les deux, je regarde ça. Puis, du moins, je reste ici. J'ai acheté le camping qui était boisé, puis j'ai acheté le terrain de golf en 66. Ça, c'était tout boisé à grandeur, là, jusqu'à l'autre bout de là-bas. Moi, quand j'ai acheté ça, j'ai emmené des chums, puis j'ai rentré dans le bois avec eux autres. J'ai dit, vous allez avoir un golf ici. Puis, on dit, il est malade. Après ça, j'ai fait venir M. Grégoire pour monter les grilles puis les départs, pour faire le design de tout ça. J'ai fait un lac ici, il n'y avait pas d'eau. J'ai dit, un golf, ça prend de l'eau. C'est sûr. Il n'y a pas d'eau, ça ne marche pas. En développant, je voyais toutes les allées. En novembre 1995, Gilles Desloges devient propriétaire avec l'idée d'avoir un deuxième 9 trous. Et dès la saison 2000, le parcours est enfin prêt. J'ai passé le flambeau à Gilles. Gilles a dit, M. Boquette, il dit, je vais le mettre beau. Puis il restait le deuxième 9 à développer. Moi, là, il m'a dit, tu vas faire le deuxième 9. Tu l'as fait le premier, tu vas faire le deuxième. On a tout fait les sous-bois. On a tout dégagé les sous-bois au complet là, pour que les gens s'amusent quand ils viennent au golf, qu'ils ne cherchent pas leur balle. On a fait transporter de la terre. En 2000, on a ouvert le deuxième neuf. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Oui. Merci, Daniel. Le club de golf des Bois-Francs a son propre Amen Corner, c'est-à-dire une séquence de trous particulièrement exigeante. Et ça commence au 11e et ça va jusqu'au 15e. Et ce n'est qu'après cette belle normale 3, où je me trouve, où on peut commencer à reprendre son souffle. Parce que juste avant, il y a quand même 2 normales 4 qui s'allongent jusqu'à 460 verges et même plus. Et ça, c'est sans compter le vent qui est bien présent, comme ici aujourd'hui. Je vous parlais de ce beau par 3, le 15e. Il se joue jusqu'à 180 verges avec une presqu'île comme cible pour terminer. Alors, ce n'est qu'après ce trou où vous allez pouvoir reprendre votre souffle et espérer avoir évité les ennuis, c'est-à-dire des mauvais coups ou un mauvais trou. Salut, Jean. Salut, Daniel. Comment ça va? Très bien, merci, toi. Allez, belle journée pour notre tournage aujourd'hui. Oui, on ne pourra pas demander beaucoup. Ah, c'est la température à notre bord. C'est parfait. C'est avec plaisir que je vous présente Jean Boisvert, qui est un des responsables, si vous voulez, de l'enseignement auprès des juniors, notamment ici au club de golf des Bois-Francs. Jean, t'es-tu depuis combien d'années au club? Depuis l'ouverture, le premier 9, on l'a joué en 2000. On jouait sur des tees au 9e trou. Jean, si on parlait de la raison pour laquelle que toi, t'aimes le terrain, la raison pour laquelle les membres et les gens reviennent jouer le club de golf des Bois-Francs. C'est un terrain qui est très beau, visuellement. Et assez difficile à jouer. Si on prend les jalons or, on est à 7004 verges. Il est très, très bien adapté pour les dames. On a des départs de seniors. On a 5 jalons. Tout le monde peut le jouer. C'est un terrain qui se déroule quand même assez rapidement. On joue ça en 4h30. Ah, c'est bon. Ça va bien. Qu'est-ce que tu fais essentiellement auprès des jeunes? Je m'occupe des juniors. Il ne faut pas oublier qu'ici, au club de golf des Bois-Francs, chaque jeune de 12 ans et moins qui a un parent qui est membre, le club de golf lui offre sa carte de membre. Même un grand-parent, s'il est membre, il peut amener ses petits-enfants, 12 ans et moins, il a sa carte de membre gratuite. Puis moi, je m'occupe après ça de les faire cheminer là-dedans. C'est génial. Et quelle est ton approche? As-tu une philosophie par rapport à ce que tu aimes prodiguer en termes d'enseignement pour les juniors? Oui, je pense que c'est des intéressés. L'an dernier, j'ai aménagé un parcours exprès pour eux autres, pour les... Un peu comme premier départ,
nous demandent de le faire. Donc, il y a un premier parcours. Il y a un parcours pour eux autres, qui est les parts 3 environ de 50-60 verges. Les parts 5 ont environ 180-200 verges. Puis les parts 4, c'est 100 à 150 verges. Donc, c'est une belle initiation, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis il faut les apprendre à s'amuser. C'est ça, l'essentiel. On va jouer le trou de la semaine ensemble. C'est lequel? On va jouer le 13e. On a un bon test en amène. J'ai hâte de voir ça. Non, parfait. Restez là, Golf Mag revient après cette pause. Notre trou vedette cette semaine est le 13e. Il est une très belle et très longue normale 4. Elle est légèrement coudée et s'allonge jusqu'à 469 verges. C'est un excellent défi de golf. Ah bien, je suis bien heureux de jouer ce beau trou de la semaine à Golf Mag cette semaine avec toi, Jean. Trou numéro 13. Et c'est une redoutable normale 4. Oui, c'est vraiment un trou qui est très long. C'est 469 verges. Oui. Comme tu peux voir, en plus, notre balle va atterrir vers où ce que ça monte passablement. Alors, 469 verges, c'est un bon test, on le sait. Il se joue comment, ce trou-là? Ce trou-là, premièrement, on va le jouer. On n'aura pas de roulement. Donc, le trou monte en plus tout le long où ce que notre balle va atterrir normalement. Elle devrait pas rouler beaucoup. OK. En plus, il est dogleg à droite, donc on doit jouer le centre gauche de l'allée. Ça, on n'a pas beaucoup le choix parce que plus on s'approche du vert, plus l'allée rétrécit. Oui. Donc le coup de départ est extrêmement important ici. Là. Oui, on n'a pas le choix. Là. Si on est à droite, automatiquement, on ne peut pas prendre le green en deux. Donc tu me dis qu'on peut frapper une balle en plein milieu de l'allée, un petit peu du centre droit, puis on ne verra pas le vert en deux. Exactement. C'est pas facile. Puis on va avoir un fer long dans les mains. Normalement, si on aurait joué, on jouerait des blancs ou de quoi de même. Là, on est capable, c'est assez large. Ouais. Mais des golds, ça pardonne pas. On peut pas aller en dehors du centre. Alors déjà là où on se trouve actuellement, c'est vraiment très beau parce que la sortie avec le lac, c'est magnifique. Mais nos téléspectateurs vont le voir sur les images, c'est qu'il y a moyen de jouer ce trou-là de façon très différente avec d'autres jalons, mais situés complètement différemment. Oui, c'est ça. Si on joue les blancs, les jaunes, ça va quand même assez bien. On a le même angle qu'ici. Oui. Les rouges, c'est pareil. Les dames peuvent partir, sont plus loin. Ils ont quand même un beau trou. C'est 273 verges pour eux autres. Les bleus, par contre. Mais les bleus, la difficulté qu'il y a, c'est qu'on se trouve avec un plus gros doglegs. OK. On a des arbres, des sapins en face. Donc, on a à peu près juste le... On voit à peu près le corps de la trappe de sable. Là. On quand voit même. Le buisson du sang verge, c'est ouais. À peu près tout ce qu'on voit. Alors, bien, merci pour les explications, Jean, mais je vais te laisser frapper en premier. J'ai l'impression que tu nous as bien expliqué le trou, puis vu que tu le connais très bien aussi, je pense que tu vas être en mesure de nous indiquer le chemin. Bon, bien, merci. Alors, Jean, t'enseignes ici, hein? C'est ça, t'enseignes aux juniors? Oui, je m'occupe de tout le programme de juniors. Je serais curieux de connaître qu'est-ce que tu leur enseignes, entre autres, en ce qui a trait à la routine au coup de départ. De toujours avoir la même routine. Souvent, les jeunes ne sont pas portés à écouter le golf. Je leur demande d'écouter une émission de golf, qui regardent la PGA. Eux autres, ils ont tout le temps une routine, elle est différente, qui choisissent la leur. Souvent, ils vont prendre celle de leur idole. Ben oui. Puis ensuite, ben, c'est de tout le temps l'appliquer. Trouver sa propre routine, dans le fond. C'est ça. D'être à l'aise quand on arrive à notre balle, puis avoir tout le temps la même routine. Que toi, t'aies un bois 1 ou un fer, faut que t'aies la même routine tout le temps. Puis quand t'arrives sur le green, bien, tu peux peut-être la changer parce que c'est un putter. Exact. C'est quoi ta routine, toi? Ah, bien, très simple. Moi, c'est pas très long. C'est pas compliqué. Moi, je fais un élan, puis je fixe tout le temps un arbre à gauche. Puis ensuite, je m'installe à ma balle, tout simplement. Super. Mmh. Ah, solide, Jean. Content avec ça? Oui, merci. Excellent. Oui, on va prendre là, celle-là. Bon, ben, je vais essayer de suivre la ligne que tu m'as donnée. Tu ne devrais pas avoir de problème de là. En m'alignant sur la fosse de sable au loin et en pensant, bien sûr, que je veux garder ma balle centre-gauche. Oui, c'est très important. Là. Ouais. Allons voir. Contact est à bon? Ouais. Je
Alors, Jean, il y a une partie du travail de fait. Oui. On est dans l'allée. Oui. Toi ici, moi, un petit peu plus loin. J'aime mieux la tienne. Oui, mais je peux comprendre parce qu'il reste moins de distance à parcourir. Oui, il reste un bon 219-220 verges à faire. En plus, j'ai l'arbre en avant, comme j'expliquais tantôt. Mais j'ai quand même la chance d'être loin de l'arbre. Je pense que je suis capable de passer au-dessus. Il n'y a pas de doute. Je devrais être capable de survoler facilement l'arbre. Juste pour vous donner une petite idée, là, de cet angle-ci, on voit pas le drapeau, on voit une partie du vert, mais j'ai ciblé la fosse de sable à gauche du vert et j'ai 206 verges à la fosse de sable. À la fosse de sable. Puis en plus, c'est un vert qui monte. Donc, si je tombe en avant, elle peut rester là, fort probablement. Et... Ouais. Bon, ben alors... Ça sera pas facile. Tu vas obtenir... Qu'est-ce que tu vas choisir comme bâton? Je pense d'y aller avec un bois 3. Un bois 3, rien de moins? Non, c'est vraiment OK, long. On va regarder ça. C'est vraiment un angle intimidant d'ici, hein, parce que tu veux pas t'accrocher dans les arbres non plus. Là. Non, ben ça va peut-être être avec une petite slide, je pense. Avec un bois 3, avoir pris un hybride, pour moi, j'aurais pu passer, mais je pense que... Avec un bois 3, ça va être plus une slice. Super. Une petite slice sur le coin. Ah oui! Solidement frappé, Jean. La slice a de l'air à vouloir prendre en plus. Ah, c'est très bien. Oui. Oh, oh, avec un bon favori. Hey, c'est sur le vert. Ouais. Super. Très beau coup de golf. Excellent choix de jeu et excellent choix de bâton. C'était exactement... J'ai passé juste au bout de l'arbre. Je ne pouvais pas demander mieux. C'est la shot, là. Comme, comme dans les livres. C'est ça. Alors, Jean, il nous reste quand même une belle distance à franchir pour mon coup. Tu l'avais bien dit, ça prenait un très bon coup de départ. J'en ai frappé un. C'était tout un coup de départ. Mais on sent l'aller à cette position-ci. Ça monte jusqu'au vert. Alors, j'ai quand même franchi, quoi, au-dessus de 280 verges. Il me reste 182 verges au fanion. Il t'en reste 182 en plus. C'est 470 verges, je le trouve. 469. Ça demeure intimidant parce que les arbres à droite coupent un peu le point de vue. La fosse à gauche est visiblement présente. Juste m'indiquer, ça, c'est vraiment le centre du vert, là, de la position de drapeau? Oui, le drapeau, lui, il se trouve à être dans le centre du vert. Ce qui peut te donner une chance, étant donné que tu vas avoir un fer long, tu vas peut-être avoir un peu plus de roulement, mais le vert, il monte beaucoup en arrière. Okay. Donc, ça devrait t'aider à arrêter ta balle. Super. C'est peut-être juste de faire attention pour ne pas aller trop vers la gauche. Tu as la fosse, puis en plus, il y a un petit bouton à gauche du début du vert qui va faire sortir ta balle du green. OK. Bon, je vais essayer de mettre ça au centre, comme ça, bien... Oui, c'est l'idéal. OK. Ça semble bon. Ouais. Oh, c'est bon. Ah, j'aime la ligne. Oui, tu seras pas loin. Tu sais que, Jean, je vais apprendre là. Oui, c'est bien. 100 fois sur 100. Oui. Sur pareil trou, là. Oui, c'était tout un trou. Good, allons voir ça. On y va. Après la pause, Jérôme Blais sera là pour son conseil de golf et on poursuit notre trou vedette de la semaine. Notre conseil de golf de Jérôme Blais est enregistré sur les sites du club de golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International, balle de golf récupérée. Lors d'une ronde de golf, il se peut que vous vous trouviez dans une situation où est-ce que vous avez à jouer avec la hauteur de balle. Des fois, on a besoin de garder la balle plus basse, des fois, on a besoin de la jouer plus haute, et d'autres fois, on joue un coup normal. Pour varier la hauteur de balle, tout simplement, varier la position de la balle par rapport au pied. Donc, si je veux jouer un coup de hauteur régulière, donc avec le fer 7, je vais jouer ma balle pour une trajectoire régulière sensiblement au centre de mes deux pieds. Par contre, si je veux avoir une balle plus haute, je vais venir jouer la position de ma balle beaucoup plus vers mon pied avant. Et si je veux faire l'inverse, je veux garder une balle plus basse, je vais simplement positionner ma balle vers mon pied arrière. Ce qui va faire en sorte que mon bâton va arriver avec un angle plus fermé, genre une trajectoire plus basse. Et lorsque je suis sur le pied en avant, à cause de la position de la balle, la face de mon bâton arrive plus ouverte. Je vais aller chercher plus de hauteur. Alors, pour les coups d'approche, c'est le même principe. J'utilise mon sandwich. Si je veux varier la hauteur de ma balle, donc si je veux une balle plus basse, je vais jouer la balle sur le pied arrière. Ça va me donner une trajectoire plus basse avec plus de roulement. Si je veux une trajectoire régulière, je vais jouer au centre.
Si je veux plus de hauteur, une balle qui va tomber plus douce sur le verre avec moins de roulement, je vais avancer la position de ma balle sur mon pied avant. Donc, portez attention sur ces petits conseils lorsque vous serez sur le parcours et ça va vous aider grandement à maîtriser les trajectoires de balle. Retrouvons maintenant Daniel et Jean Fortin alors qu'ils s'apprêtent à effectuer leur coup roulé sur le 13e trou du golf des Bois-Francs. Ah bien, très, très beau coup, Jean. Oui, merci. Alors, je pensais vraiment d'avoir atteint le verre, Jean, mais malheureusement, celle-ci a demeuré juste sur le tablier, mais ça devrait pas être un coup trop, trop difficile. Il t'en manquait un petit peu. Ouais, il manque pas grand-chose. Non, non, t'es capable de coller ça de là, là. Bien, vous avez de beaux verres, hein? Les ondulations sont super belles. Oui, franchement, là, ça, c'est à peu près la grandeur moyenne de tous les verres, là, c'est environ, c'est pas mal comme ça. Alors moi, mon coup n'est pas très compliqué. Là, j'ai une petite bosse devant moi qui devrait débouler vers la cible. Alors, je vais y aller en un petit coup roulé d'approche tranquille. Oh, ça va être bon. Ah oui, non? Oh, vas-y dedans. Oh! Oh! Très belle shot. C'est pas loin du bonheur, hein? Oui. Avec moi, là, tu peux. Pas besoin de potard. Ah, c'est gentil. À cette distance-là, là, c'est fait. Tu sais que sur un par 4 de 469 verges, un par. C'est un toujours. Pas loin. C'est un ouais. Birdie, ça fait beaucoup d'autres choses. À ton tour. Oui. Jean, à quoi ça ressemble ton roulé de ta position? C'est un roulé qui semble passablement droit. Il est en montant. Parce que le plus gros danger, c'est si je dépasse la coupe, ça descend beaucoup. Donc, il faut que j'aille. C'est plus un roulé de force que de lecture. Mais je pense m'en jouer pas mal droit. Alors, mets ça dedans. Oh, beau pote! Oh! Ah! Bien essayé! Oui, c'était la bonne force. Ta lecture était très bonne, hein? Oui, franchement, c'est l'exécution qui était pas tout à fait droit comme je le voulais. Ah, belle normale. Tu sais que t'es normal ici... Oui, à 469 verges, on va toutes les prendre. Bien joué, Jean. Et juste inviter nos téléspectateurs. Évidemment, toi, tu peux être disponible ici pour des leçons. Tu enseignes aux juniors, mais tu peux enseigner à monsieur, madame, tout le monde? Oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Même l'hiver, on a des cours en dedans, des leçons. Super. On commence au mois de début de mars, puis ensuite, on a jusqu'à temps que la neige sorte. On est chanceux ici. On a quand même un printemps hâtif. Donc, on a des toiles géothermiques. Aussitôt qu'ils enlèvent les toiles, les verres sont pareils, exactement comme ils sont là. Ils sont impeccables. Oui, c'est merveilleux. On est chanceux. Bien, merci, Jean, puis bonne saison. Merci, toi aussi. Lors de notre séjour dans les Bois-Francs, l'équipe de Golf Mag a pu découvrir le manoir du lac William. Le domaine 4 étoiles est situé au bord d'un lac immense de plus de 7 km. Il est dans une vallée majestueuse, à l'amorce des Appalaches. Le manoir, c'est une histoire de famille, la famille Lessard. Suite à ses nombreux agrandissements, cet établissement offre maintenant un total de 55 chambres, dont 22 suites. Elles sont très spacieuses et aménagées avec soin. Il y a aussi 6 salles de réunion, un spa détente avec bain nordique et piscine intérieure. Le manoir est aussi réputé pour sa gastronomie. Cette année, on a complètement revampé la salle à manger. On y a intégré un superbe cellier à l'entrée et une section bar, très appréciée des visiteurs. La section buffet pour le brunch a été complètement réaménagée pour plus de fluidité. Le décor est moderne et convivial et offre toujours une magnifique vue sur le lac et les montagnes. Le manoir du lac William est lauréat national argent du Grand Prix du tourisme québécois en 2013. Au Bois-Franc, quand on y vient, assurément, on y revient. C'est la devise ici au club de golf. Et avec les différents forfaits offerts au manoir du lac William, il est facile d'allier une partie de golf avec tout plein d'activités à faire dans la région. Alors voilà qui complète notre émission Golf Mag cette semaine. N'oubliez pas de participer à notre concours Dubaï. Aimez aussi notre page Golf Mag Facebook et suivez-moi sur Twitter. Bonne semaine et à bientôt.
Golf Mag vous a été présenté par La Forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission a été enregistrée sur les sites du Club de golf des Bois-Francs et du Manoir du Lac William.